salut à tous. Merci à mes plus de 400 abonnés. C'est pour ça que vous devez vous en douter pourquoi je suis avec tous ces grands dinosaures, uniquement des grands dinosaures, et précisément des grands théropodes. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la capture de l'Indominus, les amis. Donc là, on va au parc. Et heureusement pour moi, il a été signalé au parc. Donc ça veut dire que j'ai pas à aller chez lui. Donc voilà, il est en ce moment dans le parc. Donc, on va y aller avec tous les théropodes. Regardez, il y a qui? Acrocanthosaure, Saurignops, et puis voilà, on y va. Voilà, on est au parc, les amis, zone à risque. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'il y a eu l'Indominus, j'avais emmené le mammouth, j'avais emmené les daphosaures, les crixinosaurus, tout ça. Mais là, cette fois-ci, je suis que avec des théropodes. Parce que l'Indominus est lui-même aussi un théropode. Mais cette fois-ci, ce n'est pas juste pour le chasser du parc, c'est carrément pour le capturer qu'on est venu. Merci d'ailleurs pour mes 400 abonnés. Encore une fois, je n'arrêterai pas de les remercier. Donc voilà, on est avec tous ces théropodes et on va se séparer comme d'habitude en groupe de deux. Bon bah ça y est, les groupes sont faits. Bon bah à plus. Moi je reste avec l'acrocanthosaure. Comme ça voilà, on est deux, mais même si je suis pas un théropode, on est deux quand même, voilà. Donc à tout de suite si on trouve quelque chose, voilà, à tout de suite. Franchement, on est trop déchanceux. Il court, l'Indominus court, c'est parti. Acrocanthosaure, voilà. Il est là, tout le monde, vite. Oh, ils sont là, les autres. Ouais, ils sont là. Ouais. L'Indominus, ouais, il est là-bas. Courez. M'attendez pas. Faites en sorte qu'il s'enfuit pas dans d'autres côtés. Voilà, merci. Merci, moi, je vais aller voir tous les théropodes, là. Quelle erreur j'ai faite de pas venir à vélo, les amis. Purée, des gigantoraptors. Il y a des gigantoraptors, c'est pas vrai. Purée, ils suivent les théropodes. Non, ne me dis pas que... Voilà, nous, on va voir ce qui se passe, en tout cas. Ça se passe pas près du lac, le lac, c'est par là. Mais eux, ils ont tous tourné à gauche, là. Mais bon, je sais que, voilà, l'Indominus, il peut faire des trucs, là. Purée, on les voit pas de l'autre côté, on les voit pas. Donc, on va avancer près du lac pour aller voir ce qui se passe réellement de l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue que de voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc, à tout de suite, devant le lac. Donc voilà, on est proche du lac et regardez ça. Regardez ça par terre, il y a un nid de gigantoraptor bizarrement. Pourquoi ils ne prennent pas, je sais pas. Voilà, ils sont là, ils sont tous là, ils sont tous derrière là. Et voilà. Oh, ils font pareil. Oh, il y a un requin qui a sauté, un mégalodon. Il y a un requin qui a sauté. Purée, viens de voir là. Bonjour, on perd du temps. On est presque près du but. Vite, s'il te plaît, non. Ouais. Il s'est poussé. Porte du temps. Oui. Merci. On a l'Indominus, les amis. Donc, on va voir ce qui se passe dans le parc. Parce que j'ai construit un enclos de métal spécialement. Au moment où j'avais 395 abonnés, je me suis dit, tiens, je vais construire l'enclos de métal comme ça. Ça va tenir. J'aurais fini avant les 400 abonnés. Donc voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'avance comme ça. Dès que les 400 abonnés arrivent, j'ai plus qu'à capturer l'Indominus et de le mettre dans le parc. Dans le parc sécurisé, bien déjà construit. Donc moi, voilà. On va retourner dans le parc du passé tout de suite pour aller voir comment se porte l'Indominus avec ce grillage. Cet enclos de métal. Voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer parce que l'Indominus est réputé pour déjouer tous les plans spéciaux. Que même des trucs électroniques, là il arrive à baisser sa température, à faire des trucs de dingue, caméléon. Donc on se retrouve à tout de suite dans le parc parce que regardez, il y avait un requin dans l'eau là, je l'ai vu sauter à l'instant là. D'ailleurs, on va check vite fait ce qu'il y a dans l'eau, à tout de suite. Se rapprocher du lac, donc téléphone, c'est parti dans l'eau. 3, 2, 1, dans l'appareil spécial. En plus, il est dans l'appareil spécial donc je vais pouvoir me déplacer dans l'eau avec grâce à la radio commande. Donc à tout de suite, 1, 2, 3. Super mégalodon. Donc voilà, il porte du temps du Pliocène apparemment. Donc voilà, on va ressortir ça d'eau, mais rien d'intéressant, il n'y a qu'un requin. Donc ciao, à bientôt. Et voilà, canard qui doit faire bien attention. Donc voilà. Ainsi que voilà, tous mes théropodes qui sont là. Oui, merci les amis. Donc le nid de Gigantoraptor plus les Gigantoraptors qui sont là. Ils n'ont rien à craindre parce que ils ont remarqué que les théropodes n'étaient pas là pour les manger tout simplement. Donc voilà, moi j'ai la viande, je leur fournis moi-même la viande. Donc voilà, les gigantoraptors ils sont là tranquilles. Donc ils attendent l'éclosion des œufs qui va sûrement être au printemps. Donc j'ai hâte de voir ça parce que
un nid de gigantoraptor près du lac quand même, c'est chaud parce que normalement c'est en pleine terre, ils ont plus qu'à attendre la pluie, mais là, s'ils ont besoin d'eau, ils vont boire de l'eau directement. Donc voilà. Donc c'est hyper cool, mais ils doivent quand même faire gaffe aux Xiphactinus et aux Mégalodons qui a sauté tout à l'heure. Donc s'ils font pas trop de bruit, eh bien ils vont tout simplement rester tranquillement sans prédateurs ici à l'abri. Donc voilà, moi mes théropodes, je les ai emmenés ici. Donc nous on retourne dans le parc du passé. 3, 2, 1, c'est parti. Ouverture, près de l'arbre justement. Et voilà, c'est le parc du Permien tout simplement, sauf que j'ai juste construit un enclos de métal à côté. Donc voilà, à tout de suite. 3, 2, 1. Et voilà, enclos d'acier titanium, les amis. Donc voilà, l'Indominus est dedans. Donc voilà, l'Indominus il est dedans. Il y a une petite fenêtre ici. Voilà, on peut voir ce qui se passe. Donc il viendra plus embêter aucun autre dinosaure. On l'a capturé, les amis. On l'a capturé en espérant que cet enclos soit solide. Sinon, je construirai un deuxième. Voilà, je s'agisse de faire ça. Voilà. Donc moi, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Tous les théropodes, voilà, tous les théropodes, ils sont ici dans leur enclos. Voilà, avec le U-Tyrannus. Donc voilà, et les dilophosaures que j'ai capturés aussi. Donc voilà, moi je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Laissez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour ce méga épisode, voilà, où on a un peu couru quand même. Ouais. On a été très chanceux sur ce coup-là. On n'a pas capturé un Dominus chez lui. Enfin, chez lui, c'est pas ici, c'est carrément de l'autre côté. Mais il y a des portes du temps qui s'ouvrent et qui laissent échapper des dinosaures, dont lui, voilà. C'est un dinosaure qui a été inventé par l'homme d'ailleurs. Donc moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde, peut-être à 450 abonnés à un nouvel événement.